Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une guidance avec un message. Vous avez un message à recevoir à travers les cartes et ici, vous aurez trois choix. Donc, le premier choix, donc ce sont, j'ai pré-tiré une carte que j'ai mise dans une enveloppe, enfin, pardon, une carte dans une carte. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir choisir entre trois choix. À l'intérieur restera la carte qui a été sélectionnée pour vous, mais on va d'abord lire le message avec d'autres oracles et on reviendra sur votre choix. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça que le message sera délivré. Donc, vous pouvez choisir entre le soleil qui est ici, la très jolie carte du soleil, pour recevoir votre message, ou bien le cœur qui est là, le très joli cœur, ou enfin ce yin et ce yang. D'accord? Je vous laisse faire votre choix. Et donc, comme je vous disais, il y a une petite carte dedans qu'on verra à la fin du tirage. Soleil, cœur ou yin et yang. D'accord? Je vous laisse choisir. On va commencer par les personnes qui auront choisi le soleil. C'est parti. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le soleil? Je suis là. Tu es là, éclaire-moi. Quel est le message pour vous? Trois premières cartes que je retournerai après. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le soleil? Et enfin, les trois dernières cartes pour les personnes qui auront choisi le soleil. Quel est le message que ces personnes doivent recevoir? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message? Alors. Ici, c'est un petit peu comme si on nous expliquait que on aimerait faire quelque chose. Il y a de l'espoir sur quelque chose. Ça pourrait être construire quelque chose, s'engager dans quelque chose. Ça peut être professionnellement parlant, s'engager avec ses anneaux. Ça peut être aussi... de toute façon, ici, il y a un engagement qui va se faire, d'accord? Avec le mariage ici et le mariage céleste encore ici. Donc, si tu veux, en fait, ici, il y a quelque chose qui va t'engager à quelque chose, d'accord? Il y a une situation qui va t'engager à quelque chose. C'est pas simple de rentrer dans cette situation ici. C'est pas donné, c'est pas cadeau. On peut parler aussi de quelqu'un qui, avec le billet doux, l'engagement et le protecteur inversé, c'est quelqu'un qui peut se sentir dans une situation de pas connaître son positionnement, soit dans une relation, soit dans la sphère du travail. On a un problème de positionnement ici, on a à un moment donné, on va devoir faire en quelque sorte un choix, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement, personnellement parlant, je ne suis pas face à des gens qui sont sur deux ici, d'accord?
Je suis face à des gens qui ont du mal à se transformer, qui ont du mal à récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. On a du mal à muer, on a du mal à faire muer une situation, d'accord? Cependant, on garde toujours cette flamme, cet espoir, cette envie, hein, parce que ça c'est la carte de l'espoir. Et ici, à un moment donné, il faudra faire le choix de soit de se transformer, d'arriver à muer dans une situation. Ça peut être une situation professionnelle ou d'engagement personnel. Mais il va falloir s'écouter ici, d'accord? C'est obligé parce qu'avec cette carte des arts, on parle aussi de s'écouter. Il va falloir s'écouter et s'aimer parce qu'il y a le love message qui est ici. Et ça, c'est aussi la carte de l'amour de soi. Donc en fait, ici, on est face à une situation où on aimerait bien s'engager dans quelque chose, que ce soit une relation sentimentale ou bien un engagement professionnel, ou ça peut être aussi s'engager dans toute chose qui nous oblige ici à... Eh bien, à devoir se transformer, à devoir changer des choses pour y parvenir, d'accord? Donc, il est ici question d'engagement avec les deux cartes du mariage qui sont ici. Donc là, on parle de s'engager, que ce soit professionnellement parlant ou avec une personne, d'accord? Mais ici, on a quand même des doutes soit sur ses capacités dans un job ou bien la capacité à ce qu'un couple fonctionne, d'accord? Ne perdez pas espoir ici. Restez calme. Tant qu'on a le choix, finalement, eh bien, on mène encore sa barque, d'accord? Et, comment dire, le fait déjà d'avoir le choix, c'est ça en fait, c'est que avoir le choix, c'est déjà pouvoir le faire, d'accord? Et puis, on a une espèce de avec ce soleil hein, qui brille, qui réchauffe, vous ferez le bon choix, d'accord? Parce que ici, c'est quand même des cartes qui sont très lumineuses, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, vous allez probablement vous engager sur du long terme, plus tard, pas tout de suite, mais bientôt, vous allez vous engager sur du long terme et vous ferez le bon choix. Donc, n'ayez crainte, d'accord? Parce qu'ici, il n'y a pas de carte négative, il n'y a pas de carte qui me dit « wrong way »,« attention »,« danger », etc. Je suis vraiment sur des cartes qui sont positives, qui nous parle de doute, ça c'est sûr, mais ça se soldera par quelque chose qui va vous réchauffer, quelque chose qui va mettre, je vois ici avec ces cartes du soleil, c'est quelque chose qui sera solaire, c'est quelque chose qui sera bon pour vous, qui va vous réchauffer et qui est fait pour vous, qui est bon pour vous. Donc n'ayez crainte. Oui, il y aura un engagement à mettre en place, que ce soit vous engager dans quelque chose en termes professionnels ou bien en termes sentimentaux, mais ça sera pour votre bien et ça vous réchauffera en fait, d'accord? Donc on va aller regarder la dernière carte qui est ici dans le soleil et il s'agit de la carte de l'amoureux. Donc effectivement, on est dans cet arcane majeur du tarot avec l'arcane de l'amoureux. On va parler de être effectivement. C'est pas quand on parle de l'amoureux dans le tarot, c'est pas une histoire. C'est pas forcément une histoire d'amour. C'est une histoire de choix qui vous sera imposé, mais. Il sera bénéfique pour vous parce qu'on revoit encore cet astre solaire derrière vous, d'accord? Donc en fait, quoi qu'il arrive, dans les prochaines semaines, les prochains mois, peu importe les choix que vous ferez, les engagements que vous prendrez, d'accord? Ils seront bons pour vous,
Ok? N'ayez crainte. Faites-vous confiance. Soyez dans l'amour de vous, c'est-à-dire faites-vous passer en priorité, s'il vous plaît. Faites passer vos objectifs, vos qualités avant toute chose. D'accord? Donc, effectivement, donc là, c'est la croisée des chemins, c'est faire le bon choix. Et finalement, quand on a le choix, c'est quand même quelque chose qui nous appartient. D'accord? Donc, profitez de pouvoir faire entendre votre parole et puis profiter de récolter ce feu, ce soleil qui vous réchauffera. D'accord? Donc, si vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix dans une situation, dites-vous que de toute façon, si vous l'avez, vous avez de toute façon toujours le choix d'aller vers la lumière. Voilà, je vous propose d'aller vers la lumière, je vous propose de vous réchauffer à ce soleil et n'ayez crainte, n'ayez pas peur de l'engagement, n'ayez pas peur de ne restez pas dans des pensées limitantes et allez vers cette lumière, allez vers cet espoir et écoutez-vous surtout. Écoutez votre cœur. Et c'est ça qui va vous donner le bon choix à faire. D'accord? Donc, ce que vous allez décider dans les prochaines semaines, les prochains mois, aura de toute façon un impact archi-positif. Parce que vous allez, et peut-être que inconsciemment vous l'avez choisi pour ça, vous allez vers le soleil. Voilà. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. Et oui. Et je vous souhaite d'apprécier ce choix que vous ferez, de vous engager dans ce que vous aurez décidé, ce pourquoi vous aurez décidé de bouger, de vous battre, de vous engager en fait, d'accord? Vous allez récolter quelque chose qui sera très lumineux, ok? Good choice. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, on va continuer avec les copains qui auront choisi la carte du cœur, la très très jolie carte du cœur. Je ne sais pas si vous la voyez correctement, elle est très très belle. Donc voilà, pour toutes les personnes qui auront choisi ce cœur, il y a le petit message qui est dedans. D'accord? On le regardera tout à l'heure. Alors ici, quel est le message que vous devez recevoir? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le cœur? Pour les personnes qui auront choisi le cœur. Celle-ci, je l'ai vue, je ne la garde pas. Quel est le message? Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Pour les gens qui auront choisi le cœur. Alors, c'est parti. Allons-y. D'accord. Alors ici, on est face. Je dirais
On a la carte de l'absence. On a la carte de ce qui est appelé ici la stérilité, c'est le fait d'être enfermé dans quelque chose, d'accord? Donc ce sont bien deux femmes ici. Bon, vous pouvez être un homme, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, c'est pas genré. Ici, c'est une personne qui n'a pas, qui ne se sent pas capable, soit. Donc il y a une absence de capacité, il y a une absence de volonté, il y a une absence, d'accord, dans une situation, il y a une absence. Ici, on manque de quelque chose, il y a quelque chose qui est absent pour faire avancer quelque chose. Et ici, on est pieds et poings liés, concrètement, clairement, en plus avec cette carte des outils renversés, on ne se sent pas capable de quelque chose. On ne se sent pas capable de parvenir à ses fins, soit de dépasser une situation qui nous dépasse, hein, qu'on n'arrive pas à faire évoluer. D'accord? Pourtant, ici, tout va concourir à sortir de cette situation. Alors, c'est pas forcément. Alors, c'est quelque chose qui. Comment dire C'est quelque chose qui vous échappe à vous, en fait. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez être acteur, actrice. D'accord? C'est quelque chose qui peut demander du temps. Ok? C'est quelque chose qui peut prendre du temps à. C'est quelque chose de froid dans lequel on est, c'est quelque chose qui nous. Parce qu'avec la carte de l'hiver, et puis aussi, si tu veux, en fait, typiquement ici, avec cette carte de l'enfant, il peut s'agir d'un conflit avec un enfant, par exemple, qu'on n'arrive pas à résoudre. Il peut s'agir aussi de se sentir comme un enfant face à une situation où on ne se sent pas capable de dépasser quelque chose, d'arriver à ses fins. Quoi qu'il arrive, ici, il y a un sentiment d'impuissance c'est quelque chose qu'on essaye de combattre depuis longtemps, on n'y parvient pas. Soit c'est quelque chose qui, de toute façon, nous échappe parce que ça doit venir des autres, la solution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la carte des autres qui sont ici. Donc ce sont eux qui... Je sais, souvent je dis que la solution doit être en nous. Et pourtant, pourtant parfois, ça vient des autres. D'accord? C'est ça que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu peux trouver des trésors en toi qui te permettent de dépasser une situation, mais parfois c'est les autres qui doivent débloquer ta situation. Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu as brigué un poste, tu essayes de trouver un travail et tout ça, la réponse, elle va venir de l'employeur. Elle ne vient pas de toi, tu vois. Même si toi, tu as donné ton meilleur, ton best, là, durant un entretien, la réponse négative ou positive, elle ne va pas venir de toi. Si tu es fâché avec quelqu'un, pour X raisons, et peu importe la personne, parfois, la réconciliation, une fois que toi, tu as tout essayé, ça ne viendra pas de toi, ça viendra de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ici, il y a une espèce de... On est un peu bloqué dans une situation, on est en attente que l'autre ou les autres débloquent la situation. Pourtant, ici, il y a la carte de l'harmonie qui est sortie, le voleur inversé qui est sorti, et ici, le cadeau. D'accord ? Donc, dans ces cartes-là, ce qu'on te dit ici, c'est que... il faut que tu restes calme avec tout ça. Il faut que tu sois en harmonie avec tout ça. Parce que les gens qui te disent non, ici, par exemple, ou bien que tu ne connais pas encore la réponse, en fait, celui qui te dit non, en fait, il te fait chercher des oui en toi, d'accord? Donc, il te fait évoluer de toute façon. Toute chose que tu attends de l'extérieur te fait évoluer toi, de toute façon, ok? Donc, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, de toute façon... c'est quelque chose qui va
te faire avancer, tu l'as pas volé avec ce voleur inversé. C'est pas quelque chose que, voilà, tu t'inquiètes pas. La situation va s'arranger et c'est un cadeau pour toi en fait. C'est pour que ça augmente ton harmonie, d'accord? Donc, on est dans une situation où on peut pas faire grand-chose ici, si ce n'est que d'être dans l'attente de ce que les autres vont faire. Qu'il soit plusieurs ou qu'il soit une seule personne, d'accord? Donc, on n'a pas les outils, on est pieds et poings liés. Tu vois, on voit hein, cette femme qui, ou cet homme, hein, tu genres pas les cartes. On est dans la prière ici, tu vois. On aimerait bien quand même sortir de tout ça. On s'accroche à ça, ok? Ça viendra. De toute façon, c'est là pour faire. C'est un cadeau et tous les cadeaux ne ressemblent pas à des cadeaux si tu veux en fait, mais ça fait avancer les choses, ok? Donc ici, on peut dire que la situation entre guillemets n'est pas à ta faveur et en plus tu peux pas grand-chose là en fait parce que ça doit venir des autres, ce déblocage, cette solution, cette paix, ok? Donc en fait, relax, ça va aller. De toute façon, c'est un cadeau. Et c'est quelque chose qui va te faire accéder à une forme d'harmonie. Ok? On va aller regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, on a la très très jolie carte du monde. Elle est très très belle parce que on parle, et ça me fait très plaisir, d'une réussite. D'accord? Le monde, quand on sort la carte du monde, ici on a réussi quelque chose. D'accord? Même si on est interdépendants les uns des autres, parce que ici tu n'es pas toute seule, tout seul, d'accord? En tout cas, ici, voilà, les choses vont s'arranger. Tu t'inquiètes pas. Et en fait, ici, le message, c'est vraiment, quelle que soit la situation qui te bloque ici, d'accord? Qui t'empêche d'agir. Quel que soit ce qui tu n'as pas la récompense, tu perds de l'énergie, tu n'accomplis pas ce que tu voulais, tu ne te sens pas dans ta totalité, tu ne te sens pas en accord avec tout ce qui se passe, ne t'inquiète pas. C'est un cadeau et c'est pour que tu trouves une forme d'harmonie, d'accord? Parce que de toute façon, ici, il y aura une réussite. Il y aura. Si tu veux, c'est marrant parce que je pense aussi à cette énergie féminine qui est ici, d'accord? On voit une femme ici, on voit une femme ici aussi et là, d'accord? Donc, l'énergie féminine, c'est donc. On peut dire être un petit peu en retrait de la situation, laisser les choses se faire et garder ton intuition et puis les choses évolueront, d'accord? Mais ça ne vient pas de toi, ça viendra à toi. D'accord? Tout ira bien. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. On va continuer. On va continuer avec les amis qui auront choisi cette très jolie carte du Yin et du Yang. Ok? C'est parti. Qu'est-ce qui vient? Vers les amis qui auront choisi cette carte du Yin et du Yang. Qu'est-ce qui vient vers toi? Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis qui auront choisi le yin et le yang? C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Oups.
auront choisi le yin et le yang. Comme ça, je vais tomber comme ça. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis qui auront choisi le yin et le yang? C'est parti. Quel est le message que vous devez recevoir? Alors, ici, on a ces cartes-là. Ok. Une écoute. Ok. La transformation, d'accord. Alors ici, ce qui vient vers les personnes qui auront choisi le yin et le yang. Ici, il y a une forme de retard, d'accord? Avec cette carte du retard. Et il y a pourtant une très forte volonté de transformation. On a les deux cartes de la transformation. Ici, si tu veux, il y a quelque chose à couper. Ça, c'est sûr, c'est clair, net et sans bavure. Il va falloir couper quelque chose ici, d'accord? Parce qu'en fait, ici, c'est un peu comme si tu voulais t'engager dans quelque chose, probablement lié à l'écoute. Ça peut être lié à l'écoute, ça peut être lié à la santé, ça peut être lié à peut-être t'écouter toi-même aussi quelque part. Il y a quelque chose de très intime ici dans ceux qui ont choisi le yin et le yang. En fait, si tu veux, tu es un peu freiné dans une situation, ok? Mais ce qui se passe, c'est que malgré... Ah, c'est rigolo, regarde. On voit encore ce symbole du yin et du yang. Je voulais te le montrer. En fait, tu es très certainement dans la recherche de quelque chose, d'une forme d'équilibre, c'est tout à fait possible, hein, avec le yin et le yang. Mais ici, si tu veux, je pense qu'en fait ici, clairement, j'irai vers des gens qui soignent, d'accord? Des gens qui sont soignants ici. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois les cartes des soignants. Donc en fait, on est avec des gens qui soignent, on est avec des gens qui prennent soin, ok? Ici, on a affaire à des soignants, en fait. On a affaire à des soignants, mais dans le sens pas forcément que blouse blanche et tout ça. On a affaire à des gens qui soignent, mais qui ont du mal à se régénérer, ont du mal, parce que là, on a le printemps qui est renversé, on a la rapidité, la lunaison qui est renversée, et on parle de retard, ok? Donc, en fait, ici, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du prendre soin, il y a quelque chose comme si on était un peu bloqué dans un projet. Je sais pas si on est bloqué dans un projet, mais en tout cas, on a un problème à se transformer ici, si tu veux. On a un problème à faire transformer une situation. On est bien intentionné ici. Les gens qui auront choisi cette carte sont bien intentionnés, mais ils sont un peu bloqués dans leur bonne volonté. Ils sont un peu bloqués dans leur capacité à aider les autres, d'accord? Mais ça va s'arranger, d'accord? Parce que ici, on nous parle avec cette carte du notaire, avec ce fameux yin et yang qui est dedans, homme-femme et tout ça, tu vas réussir à t'aligner en fait. Tu vas réussir à trouver cet équilibre. Alors, si vous n'êtes pas soignant ou soignante, vous savez prendre soin des autres, d'accord? Mais attention, ne faites pas ça au détriment de votre propre équilibre. Je dirais que c'est ça le message ici. Le message, c'est d'accord, tu soignes, tu prends soin, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a la carte qu'on évite les pièges. Donc, en fait, tu es guidé ici pour soigner, pour prendre soin. Et il y a un petit peu de retard sur cette prise en soin, d'accord? Il y a un petit peu de retard. Alors, délibéré ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ici,
il faut que tu transformes quelque chose, d'accord? Avec, il faut que tu coupes quelque chose pour pouvoir trouver ton équilibre. Ok? Donc tu vas le trouver, ça c'est sûr et certain. Et puis, ce que je pourrais dire ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espoir ici, dans ces cartes. Il y a l'espoir de se transformer, il y a l'espoir du prendre soin. Il faut être très, très fort pour prendre soin des autres. Il faut avoir beaucoup d'espoir pour y parvenir. Et tu l'as tout ça. En fait, tu as toutes les cartes en main, sauf qu'en fait, il y a encore un équilibre à atteindre. D'accord? Ça vient. Ce n'est qu'un retard. Ok? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons, tu peux prendre du retard sur ça. Plein de raisons qui sont extérieures à toi, en fait. Ok? Mais ici, tu es obligé, à un moment donné, avec le notaire, tu es obligé de t'engager. D'accord? Tu vas être obligé de t'engager. Tu vas être obligé de signer en bas. Ça peut être, tu écris, tu construis une société, typiquement, ça va être quelqu'un qui va se mettre à son compte. Mais il y a encore pas mal de choses à transformer, il y a encore pas mal de choses à couper. Mais de toute façon, toi, tu es là pour faire le bien. D'accord? Donc, je te propose de, ici, avec ces cartes, de te faire confiance, de te choisir toi, de continuer cette transformation parce que tu es sur la bonne voie. Ok? Alors, on regarde la carte à l'intérieur. Et c'est la très, très jolie carte de l'étoile. D'accord? Donc, effectivement, tu es dans le don. D'accord? Parce que l'étoile, elle donne. On parle de don de la destinée, de protection. Donc, tu es quelqu'un qui protège les autres. Mais n'oublie pas de te protéger toi-même. N'oublie pas de... C'est le principe du futur, si tu veux, l'étoile. Donc, oui, tu pourras... alors, si c'est un projet professionnel... Oui, tu vas arriver à ton projet professionnel. C'est aussi bien si ce projet professionnel inclut des notions de prendre soin, de protéger, parce que si c'est le cas et si c'est le but de ton projet, c'est de protéger, d'écouter, de prendre soin, de transformer les choses, tu vas y arriver. D'accord? C'est obligé parce qu'avec cette belle carte de l'espoir, j'allais dire, c'est de l'étoile, tous les espoirs sont permis ici. C'est le principe du futur. Donc, ne sois pas dans ton passé, ne sois pas... regarde bien vers le futur, accroche-toi à tes rêves ici. Et tu es extrêmement protégé. Ok? Donc, tu vas... De toute façon, trouver cet équilibre dont tu as besoin, parce que ici, avec ces jarres, on parle aussi d'équilibre, hein, ça c'est sûr. Mais si tu veux, ici, il faut se faire confiance, ok? Et puis se choisir soi. Si tu te choisis toi, si tu te fais confiance, tu pourras faire aboutir tes projets ici, qui pour l'instant, entre guillemets, ne sont que retardés. Et peu importe les projets que tu es une belle personne et tu mérites ça en fait finalement. D'accord? Donc, s'il était question ici, par exemple, de maladie ou bien d'accident, les choses vont s'arranger. D'accord? Si on parle de maladie ou d'accident. Mais en tout cas, pour moi ici, on est plus en présence de personnes qui peuvent soigner les autres, mais qui, pour soigner les autres, vont avoir besoin d'une espèce d'étape de mise à l'équilibre qui est effectivement, de toute façon, très bien symbolisée par ce yin et ce yang. Ça va venir. Si tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore aligné, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'un petit retard. C'est tout. Parce que tu vas réussir à tes fins. Tu vas réussir à faire ce qui te tient à cœur. Tu vas réussir à créer ce futur. Tu vas réussir à faire profiter de tout ce que tu peux te donner et tu es protégé de toute façon. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur. Je te remercie pour ce que tu fais déjà parce que je pense que tu es une belle personne et je,
Je te rassure, ce n'est qu'un retard. Équilibre-toi et les choses vont se débloquer. Et c'est un très joli futur qui t'attend. Tout ira bien. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous, bisous.